Things are right, you just know. There is something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be. Vivi il grande calcio! Con TeamVision puoi avere DAZN e Now TV con la loro offerta calcio e sport. Il decoder TeamVision Box è incluso e il primo mese lo offre Team. Vivi tutto al meglio con la fibra di Team. Vieni nei negozi Team o chiama il 187. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Et donc bonsoir à tous, on se retrouve ici dans ce San Siro pour ce tout dernier match de l'année de Serie A. Donc Serie A bien évidemment, AC Milan face à la Lazio Rome, très 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 gros match. Les Laziales face aux Milanais, un match qui peut révéler énormément de choses sur le déroulement de la saison prochaine, la saison 2021 pour cette Serie A. Pour l'instant ça sent très très mauvais pour les Laziales, hein. On va voir d'ailleurs le classement, les Laziales qui sont 7e. Là, c'est Milan première, donc voilà le reste du classement jusqu'au 20e. Enfin bref, c'est parti, on va tout de suite écouter l'hymne au Generosa. Et donc voilà la Lazio avec ce magnifique maillot vert fluo. Voici pour la composition de Milan avec Donnarumma. On aura Hernandez, Romagnoli, Kalulu et Calabria en défense. En milieu on aura Kunic-Kier ainsi que Brahim, Çalhanoğlu et Salmakers. Donc et ainsi que Leao en 4-2-3-1, la composition de Stefano Pioli. On va tout de suite passer à la composition de la Lazio et puis on va parler tout de suite des affaires qui ne vont pas bien côté AC Milan. On va tout de suite vous dire pourquoi. Donc avant, on aura la composition de cette équipe de Simone Inzaghi, le frère de Pippo Inzaghi. Donc voici la composition avec Stracoscia. On aura Radu, Acerbi, Luis Felipe ainsi que Leiva. On aura une charnière offensive avec Fares, Luis Alberto, Milinkovic-Savic et Lazzari, ainsi que Correa et Immobile qui vont bien évidemment concrétiser cette attaque. Donc voilà ce match ici, AC Milan, Lazio Rome, une AC Milan en forme, oui, en forme, mais pas tant que ça. Effectivement, il y a énormément d'absents, comme vous pouvez le voir, sur la composition, sur la feuille de match. Et effectivement, c'est le cas. On va commencer par qui ? Ben, on va commencer par tout d'abord Zlatan Ibrahimovic. Hein. Zlatan Ibrahimovic absent jusque mi-janvier 2021. Donc ça fait énormément de temps sans Zlatan Ibrahimovic. Et voilà justement cette équipe de la Lazio Rome qui vient chercher ce but. 0-1, 0 pour Milan, 1 pour la Lazio. Les Laziales qui sont déjà présents. Et voilà justement en parlant de ça, on voit forcément les grosses infériorités côté gestion de la balle. Et effectivement, ça se voit. Encore une fois, la défense totalement passive.
Mohamed Fares, voilà le buteur de la Lazio Rome, le premier buteur notamment de cette rencontre, ici à nos côtés. Voilà donc Mohamed Fares qui marque à la deuxième minute. But très très rapide, on a eu des records de buts le week-end dernier, pardon. Comme quoi la Serie A, c'est un championnat vraiment à regarder, encore plus que les autres championnats. Donc c'est pour ça que je fais principalement de la Serie A sur la chaîne. Et donc voilà, 0-1, match très très rapide en termes de buts. Et donc comme je disais, l'AC Milan qui est vraiment très 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 mal positionné avec un Zlatan Ibrahimovic d'absent. Ça c'est le premier joueur hein, bien évidemment parmi tant d'autres, comme Ante Rebic qui est absent aussi. Qui d'autre? Franck Kessié absent, même chose aussi. Çalhanoğlu est là, d'ailleurs il est présent, c'est lui qui a le ballon ici. Et beaucoup d'autres joueurs en défense notamment. Cœur, le ballon peut-être pour Raphaël Léao. Léao qui a été exceptionnel en ce moment. Il est exceptionnel, c'est le buteur là, AC Milan. En même temps, pas le choix. Hein. Ante Rebic n'est pas là, Zlatan Ibrahimovic n'est pas là. Il n'y a plus que lui qui peut marquer des buts. Et il le fait, donc c'est tout à son honneur. Salmakers, la tête de Raphaël Léao encore une fois. Oh là là, quel dommage. Strakosch qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là sur cette action. Magnifique Théo Hernandez. Léao et le but. Raphaël Léao. Le but pour l'équipe de l'AC Milan. Ça fait donc 1-1. Je vous l'avais dit, c'est le buteur. Hein, l'AC Milan depuis ces dernières semaines. Et voilà les Milanais qui. Bon, qui ne sont pas là forcément dans le stade. Hein, pas comme dans FIFA. Mais qui sont là, qui regardent forcément le match. Et qui forcément sont heureux pour leur équipe. Voilà, donc 1-1, un point partout pour l'instant. Parce que je rappelle, AC Milan est première avec 31 points jusque maintenant. Il faudra bien évidemment attendre cette fin de journée pour voir le match de l'Inter ainsi que le match de la Napoli pour voir si l'AC Milan reste toujours première ou retourne deuxième ou troisième, qui sait. Théo Hernandez. Là aussi, on espère un renouvellement pour l'année 2021. C'est l'année, on espère, pour le football, récupérer ses supporters. Comme dans FIFA, ça serait un rêve, hein, ce qu'il y a dans FIFA ici. C'est un rêve pour tout le monde, hein, vouloir retourner dans un stade, aller chercher son hamburger, s'asseoir dans un siège et chanter des chants de supporters. Donc forcément, ça donne plus qu'envie et on l'espère pour l'année 2021. Même si ça va être très compliqué, on le sait. Peut-être début avril, hein, le retour des supporters. Si la condition le veut. Allez, c'est reparti. Calabria qui lance Brahim Salmakers. Parlant de Brahim, qui était déjà là hein, contre l'équipe de la Sassuolo ce week-end. D'ailleurs, c'est la même composition. Hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est la même composition que contre Sassuolo. Sauf qu'il y a des petits changements. Notamment Franck Kessié qui est absent. Après, Ante Rebic était déjà absent là aussi. Zlatan Ibrahimovic, ça fait depuis 2 mois quasiment qu'il est absent. Qui manque énormément. Cristiano Ronaldo a d'ailleurs battu hein, pour l'instant le record de but de la Serie A. Qui était justement détenu par Ibrahimovic. Mais bon, après, peut-être que Ibra va nous faire du Ibrahimovic. Peut-être qu'il va en marquer 3 en un match et prendre la tête à nouveau, meilleur buteur. Donc, on ne sait pas du tout. Salmakers. Correa toujours. Bon, il peut faire le centre. La Correa, Andrel Correa, c'est pas fini. Le tacle juste avant la frappe. Et ouais, effectivement, il aurait dû donner sa balle plus tôt. Là, Correa, il a été un peu trop personnel sur cette action. On l'a encore revu.
C'est vrai que c'est dommage. Lazzari. La tête, magnifique récupération de l'AC Milan. Klunic avec Brahim. Ouais, ballon pour personne. Oh, attention, le tacle, l'arbitre qui ne sanctionne pas. Ouais, Immobile. La touche pour la Lazio. Lazzari. C'est sublime. Brahim. Ça continue. C'est pour Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Ouais, il a poussé un petit peu trop loin son ballon là. Çalhanoğlu à Cannes. Leiva. Ciro Immobile. André Correa. Lazzari, peut-être une action. Oh, le petit filet pour Lazzari. Pas de chance. Ah, je vous l'avais pas dit, mais du coup, au rendez-vous hein, pour ce tout dernier match de Serie A. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi tous les matchs cette année, même si ça n'a pas été très très facile hein, pour organiser des matchs. J'ai quand même organisé des matchs pendant le confinement, donc voilà, on a fait une petite série, on a notamment fait des nouveautés, on a essayé un petit peu le gaming, ça avait l'air de plutôt marcher. Écoutez, bah, on pourrait se remettre ça, qui sait, on pourrait se remettre du Call of Duty ou alors du R9, enfin, c'est ce que vous voulez, hein. Enfin R6 plutôt, excusez-moi, R9. R6 ou du Rocket League comme vous voulez. Rocket League bien évidemment commenté hein. Et donc voilà 1-1 pour l'instant. On est à 19 minutes de jeu, enfin maintenant bientôt 20 minutes. Ça va être très très intéressant effectivement. Ouais, finalement le corner totalement raté. Ouais, c'est pour Donnarumma son problème. Oh, c'est joli ça. C'est très très joli ce que nous a fait le joueur milanais. Ouais, ballon perdu encore une fois. Fares. Mohamed Fares. Avec Lucas Leiva. Mohamed Fares. Ballon récupéré pour Rafael Leao. Leao, Salmakers. Salmakers, ancien joueur. De Anderlecht qui aura totalement son contrôle. Strakosch qui s'interpose sans problème. Ouais, ballon pour Lucas Leiva. Milinkovic Savic. Andrel Correa. Ciro Immobile. Ballon récupéré pour Romagnoli. Brahim avec Leao. Leao Salmakers. Salmakers encore une fois. Salmakers la frappe, dommage. L'arrêt de Strakosch. Et là, Lazio qui revient hein, progressivement. Depuis quelques matchs maintenant, ils arrivent à revenir un petit peu. Même si bon, les scores ne sont pas non plus très favorables. Mais ils reviennent doucement, mais comme on dit, doucement mais sûrement. On espère un petit retour à la Lazio Rome. Pour faire peur au Big Four. Avec Salmakers. Oh, le ballon. Très mauvais ballon. Là, du joueur de l'AC Milan. La touche pour Luis Alberto. Luis Alberto. La touche qui a été jouée rapidement. Hein, c'est récupéré pour la Lazio. Luis Alberto. Lazzari qui, ouais, qui sort ce ballon. Une nouvelle touche pour Milan. Avec Romagnoli. Calabria. Ouais, mauvais passe là de Calabria. C'est pour Kjaer. Salmakers. Leao. Ouais, magnifique Leao. Superbe contrôle. Krunic. Théo Hernandez.
Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic toujours avec Leiva. Thiago Immobile, le joueur italien qui est le Messi hein, de cette équipe de la Lazio Rome. C'est quand même grâce à lui que la Lazio avait pu gagner le week-end dernier. Le tacle de la Lazio qui va donc donner un bon coup franc là, pour l'AC Milan. Krunic, Kalulu, Sam Mekers. Justement, on parlait de Rafael Leao. Rafael Leao qui a marqué le but le plus rapide d'Europe. Donc, oh, attention, c'est pas fini. Le ballon qui sort. Sam Mekers. Ouais, comme j'ai dit. Rafael Leao qui avait marqué le but le plus rapide d'Europe ce week-end face à Sassuolo. Il avait marqué à la 9e seconde. Donc après 9 secondes de jeu, il y avait un but. Écoutez, c'est très très rapide. C'est pourquoi il a été élu le joueur le but le plus rapide d'Europe. La touche donc pour l'AC Milan. Avec du coup Hakan Çalhanoğlu. Ouais, la tête encore une fois largement à côté. Stalakos qui est tiré, qui a envoyé cette balle en 6 mètres. En 5,50, comme vous voulez. Avec Çalhanoğlu. Oh, encore une fois, Çalhanoğlu qui pousse beaucoup trop loin sa balle. Qui ne maîtrise pas le ballon. Sur cette balle, c'est récupéré pour la Lazio. Avec André Correa, c'est pour Fares. On a André El Correa, c'est pas fini. La tir, l'arrêt sublime de Donnarumma. Arrêt in extremis là. Djidjou Donnarumma, mauvaise passe là de Brahim. Thiago Immobile, deuxième salve peut-être pour la Lazio. Les Laziale qui continuent. Oh là là, le ballon qui aurait pu lober le gardien là. Donnarumma qui s'en tire vainqueur là-dessus. Brahim, Rafael Leao, Leao tout juste, hein, in extremis. Salmakers avec Kerr, Salmakers. Ouais, justement, Kerr qui remplace Sandro Tonali côté AC Milan, car lui aussi est blessé. Je vous parlais d'Anterebic. Anterebic est juste une gêne physique, hein, c'est pas blessé, c'est pas une blessure, c'est une gêne physique. Franck Essier, je ne l'avais pas dit, mais lui c'est un carton, c'est pas une blessure non plus. Donc les deux vrais joueurs qui sont blessés, c'est surtout Zlatan Ibrahimovic et Sandro Tonali. Hein, les deux vrais joueurs blessés côté AC Milan. Çalhanoğlu. Les autres joueurs, ce ne sont que des circonstances atténuantes. Et Kerr qui rate totalement sa tête sur ce corner. Ouais. Le ballon pour Stalakos. Léo qui revient très très haut. Hein. Il remonte très très haut le terrain pour aller chercher peut-être un but. Et le ballon pour Milinkovic-Savic. Désolé, je regardais un peu l'enregistrement pour voir où on était comment. Mohamed Fares. Mohamed Fares qui peut venir chercher un centre. Oui, le centre récupéré
pour l'AC Milan, c'est une contre-attaque. Attention, Brahim avec Akanchalanoglu. Oh, Akanchalanoglu qui va très rapidement. Ouh, Stalakosh qui renvoie cette balle in extremis. De justesse. Touche avec Brahim. La frappe. Oh, attention, c'est pas fini. Le ballon récupère avec Leiva. Brahim, l'ancien joueur hein, du Real Madrid, qui est prêté à l'AC Milan. Pour un an, forcément. Ou attention, Immobilier, attention, c'est pas fini. On a encore Donnarumma. Superbe claquette. On va la revoir, la claquette de Donnarumma, là. Ah non, ouais. Allez-moi ça, ouais, c'est même pas une claquette. C'est le ballon boxé et mis derrière le but. Ouais, le ballon, encore une fois, dehors. Oh, attention, il y a peut-être une faute dans la surface. Peut-être penalty. On va revoir à la vidéo. Ah oui, oui, c'est très clair, c'est très net. On ne l'avait pas vu, mais c'est très net. Il y a une main. Il y a le bras même. Et voilà, c'est penalty. Concédé pour Immobile face à Donnarumma. Donnarumma, et voilà, le penalty remporté par la Lazio. Et voilà, le capitaine des Laziale, des Romains, qui marque et qui fait gagner pour l'instant son équipe, qui l'a fait s'en sortir. Un maillot très clairement qui éblouit, hein, on le voit encore. Wow. On peut pas le louper. Hein. Il sublime ce but sur penalty. C'est vrai que mettre une balle en pleine lucarne sur un penalty, c'est très très chaud. Immobilier qui arrive à le mettre sans problème. Et donc on est reparti. Ça fait 1-2 hein, pour l'AC Milan, 2 pour la Lazio Rome. Voilà. Oh, attention, encore une fois, la Lazio qui récupère le ballon avec Immobilier. Donc il relance bien son ballon. Là, Immobilier, c'est hors-jeu. Hors-jeu pour la Lazio Rome. Pas loin du tout. Hein. À un millimètre près, il était pas hors-jeu. Et ça aurait pu être dangereux. Kaloulou. Avec Kerr, Calabria, Selmakers. Ouais, mauvais contrôle là, de Selmakers. Luis Alberto. Petit talonnette. Leao, magnifique. Hein, Krunic. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic qui continue, qui transperce cette défense. Oh là là, cette frappe qui aurait pu faire but. Oh là 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 là. Pleine lucarne. Le but de la Lazio, ça fait 1-3. 1 pour la Milan, 3 pour la Lazio. Le match qui s'emballe. Et voilà, une perte de conscience côté AC Milan. Une simple mauvaise passe qui finalement se termine au fond des filets. Luis Alberto qui fait le geste parfait. Encore une fois, contre-pied magnifique. Et Donnarumma totalement battu sur cette action. Très très grosse faute là côté AC Milan. Et ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. 1-3, c'est énorme. Voilà, c'est après la défaite de la Juve, bien évidemment. Mais bon, ça, on n'en vient pas. 1-3, 1 pour l'AC Milan, 3 pour la Lazio Rome. Donc on va voir si l'AC Milan va revenir à la seconde période, car ici c'est bientôt la fin. Voilà, 45 minutes, on arrive à 4 minutes du temps additionnel. Annoncé par monsieur l'arbitre, mais là ça commence à sentir très très mauvais là pour les Milanais. Peut-être
un très très mauvais faux pas ici dans cette fin d'année. Ce qui clairement serait un peu plus favorable pour l'Inter ou la Juve ainsi que la Napoli si bien évidemment ceci gagne. Fares, c'est pas fini. Ouais, mauvaise passe de Mahmoud Fares. Mohamed Fares, pardon. Kaloulou. Ah, le ballon en arrière à nouveau. C'est pour Romagnoli, Théo Hernandez. Brahim. Rafael Leao qui s'en tire vainqueur sur ce duel. Il est tout seul, Rafael Leao. Ouais, il est tout seul. Il n'a pas pu remiser ce ballon vers le centre. Il n'y avait personne, forcément. Derrière, il devait tenter quelque chose. Et il a tenté et il a raté. Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto. Oh là 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 là. Attends, c'est pas fini. Le ballon récupéré avec Donnarumma. Oh là 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 là. Quel manque de lucidité côté AC Milan. C'est incroyable. On n'avait plus vu ça depuis la saison dernière, je pense, hein, parce qu'ils ont fait un très 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 beau début de saison là, la AC Milan. Derrière, ça termine très très mal cette année. Et voilà. Un AC Milan battu, un AC Milan mis en difficulté. À la Durom qui se met totalement en confiance. 1-2, 1-1, 1-3, c'est la fin de cette première période. Le score dans cette première période qui est totalement battu par la Durom. On prend où est-ce qu'on s'est laissé. Donc 1-3, c'est reparti pour cette seconde période ici. Dans ce San Siro qui dans FIFA, hein, j'ai bien dans FIFA parce qu'en vrai il n'y a pas de supporters, mais qui dans FIFA fait taire totalement les supporters de AC Milan. C'est incroyable. Certains supporters mettent quand même encore un peu de voix, mais certains sont même déjà quasi sortis hein, du stade. C'est aussi dans ces conditions-là qu'on voit les fervents supporters de son équipe. Un vrai supporter, forcément, reste dans dans le club, quoi qu'il arrive. Et comme on dit en italien, fino alla fine, jusqu'à la fin. Donc voilà. Luis Alberto qui va envoyer cette balle. Coup franc très très lointain. N'empêche, rendu très 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 bien. Oh là là, oh, Immobilier qui était parti comme une flèche. Oh là là, c'est du coup le coup franc pour la Lazio Rome. Luis Alberto est vraiment, vraiment à la limite du pénalty. Hein. Là, il a vraiment fallu revoir la VAR parce que donner un coup franc sur la ligne du rectangle, c'est exceptionnel. Le ballon qui est finalement dans le mur. Là aussi c'est dommage, hein, ils auraient pu le mettre ce coup franc. Ouais, magnifique. Théo Hernandez qui se balade là-dessus avec Brahim. Peut-être une action intéressante. Léao qui n'est pas hors jeu, qui est bien trouvé. Peut-être le but. Oh là là, le poteau, décidément, ça ne vient pas. Ça ne vient pas, le déclic n'est pas là. Côté AC Milan. Ça ne veut pas, rentrer. C'est même, désolé pour l'expression, mais un carnage pour l'AC Milan. Brahim, Krunic, Romagnoli. Brahim, le ballon pour Hakan Çalhanoğlu. C'est pour Rafael Leao. Ouh, attention, hein. Petite glissade là côté AC Milan. Ça aussi, hein, je l'avais rappelé depuis tout à l'heure. Déjà le match d'avant. Enfin, le match d'hier, parce que je pense que cette vidéo va sortir un peu plus tard. Voire même le lendemain.
Ouais, donc comme je disais, la pluie qui amplifie un peu les passes. Qui fait glisser le ballon sur la chaussure aussi. Forcément, la chaussure devient plus glissante et le ballon glisse de plus en plus. Ce qui est très très difficile derrière pour chercher. Quoi qu'il arrive, oh là là, l'arrêt. Changement annoncé, c'est donc Brahim qui sort. Et c'est. Oh, j'ai pas vu qui c'était. J'espère qu'ils vont quand même mettre. Ouais, c'est Maldini, Paolo Maldini. Enfin, le fils de Paolo Maldini, pardon. Qui rentre. Dans cette pelouse. Kaloulou. Maldini avec Krunic. Théo Hernandez. Akan Çalhanoğlu. Ouh, Rafael Leao qui met un vrai tampon là. Salmakers. La touche avec Salmakers. Akan Çalhanoğlu. Oh, le ballon. Avec. Calabria. La tête récupérée avec Maldini. Qui arrive en arrière sur Kaloulou. Ça veut pas prendre de risque. Hein. Là, à l'AC Milan, ils se sont fait avoir trois fois à trois reprises. Attention, Maldini. Maldini la frappe. Ouh, le ballon, l'arrêt de Stalakosh. C'était pas loin encore une fois. Là, une frappe plus conséquente. L'arrêt de Stalakosh est un peu approximatif, mais qu'il arrête quand même. Avec Immobile et André Correa. Et la touche. Deux balles de Luis Alberto qui finit dehors. Attention, c'était hors jeu. Ouais. Ça va du coup être pour Donnarumma. Donnarumma qui va envoyer cette balle à Juan Correa. Qui va donc sortir. Et c'est Muriqui qui va rentrer côté Lazio. Et c'est un mauvais changement. On ne sait pas du tout. On va voir ce que ça va donner sur cette action. Pas fini, là le tacle de Kaloulou. Çalhanoğlu. Oh, magnifique. Magnifique ce geste avec Akan Çalhanoğlu encore une fois. Rafael Leao, quelle frappe, dommage. Là de l'AC Milan et quel arrêt notamment aussi de Stalakosh. Oh là 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 là, quel arrêt exceptionnel. Elle était pas facile, celle-là, elle partait à 20 000 km à l'heure. Et gardien l'arrête, ça c'est exceptionnel. Quelle belle image encore une fois. Avec Çalhanoğlu, ça appelle le deuxième joueur. Ça vient avec Rafael Leao. Leao, ballon perdu finalement. Lazzari sur l'aile. Le ballon qui va sortir, ça sera en faveur de l'AC Milan. Effectivement, le joueur de la Lazio Rome la touche. Avec Donnarumma. Donnarumma qui prend des risques. La Donnarumma avec Romagnoli. Kaloulou, Kier, Maldini, Rafael Leao. Ouais, mauvaise passe là de Rafael Leao.
Oh là là, Donnarumma. Donnarumma qui relance très très mal. Dommage, cette frappe là de Immobilier. Ouais, le capitaine Della Zalle qui a failli faire mal. Castillejo qui va donc rentrer à la place de Salmakers. Ouais, Stefano Pioli qui tente le tout pour le tout. Ouais, comme, il termine très très mal l'année, hein, là, les Milanais. La frappe de la Lazio Rome. Oh, dommage. L'arrêt encore une fois de Donnarumma qui vient arrêter tout ça. Ça va être très, très compliqué d'aller chercher deux buts. Mais rien n'est possible, hein, parce que on est non seulement à l'heure de jeu, mais... Justement, on est à l'heure de jeu, du coup, tout est possible encore. Luis Alberto, on va voir le nombre de tirs, 4 pour Leao, 5 au total pour Immobilier. Seulement un tir sépare ces deux joueurs, côté nombre. Ouf, Donnarumma qui s'interpose. Calabria. Oh, quelle passe. Quelle passe pour Castillejo. Samu Castillejo qui continue. Léo, la frappe. Oh, dommage. Ce ballon qui était lucarne basse. Et l'arrêt sublime de Stalakosh. Oh, elle part comme elle vient. Elle part comme elle vient. Peut-être même sur le poteau, je pense qu'elle était la balle là. Çalhanoğlu. Ouais, la tête, on ne sait pas. Ouais, c'est Kier qui met une mauvaise tête encore une fois. Tête rageante de là, Kier. Ah, c'est ça aussi, il y a un petit peu de rage du côté des Milanais. Ça, un repositionnement non favorable. Luis Alberto. Quel arrêt de cette défense milanaise. Calabria, encore une fois Calabria. Oh, dommage. Calabria qui revient quand même sur Rafael Leão. C'est pas fini. La frappe. Oh là là, c'est pas fini l'arrêt. Exceptionnel de Stalakosh. Encore une fois, un millimètre. Qu'est-ce que ça aurait pu faire mal cette action. Encore une fois, c'est à des millimètres. Hein, ça se joue... à pas grand chose comme d'habitude, comme souvent d'ailleurs en Italie, ça se joue à des petits détails et ces petits détails sont plus qu'importants. Hors jeu, oui, largement hors jeu. Castillejo, non, c'était Kier encore une fois. Oh, largement hors jeu. Ouais, il y a le boulevard des Champs-Élysées entre eux, on peut le voir, on le reconnaît, hein. Rafael Leao, ballon perdu avec Lucas Leiva. Donnarumma. Oh, attention le ballon pour Romagnoli. Leao, exceptionnel. Ça continue, Donnarumma. Donnarumma, qu'est-ce que je dis? Maldini, pardon. Ouh, pas mal, Leao, ça continue. Ouh, tacle sur cœur. Ouh. La frappe, enfin le but.
pour les Milanais. La délivrance, un peu, parce qu'il reste encore un but à mettre. 2 à 3. Et attention, c'est pas fini, les Milanais qui peuvent encore revenir au score. Encore une fois exceptionnel, la Kancalanoglu qui vient chercher, comme j'ai dit, des petites failles. Ça se joue à des millimètres, comme d'habitude. Et là, c'est une bonne preuve que ça se joue à des millimètres. Car là, un millimètre à côté, eh ben, c'était soit dehors, soit sur le gardien. Ou 75e. Ça dépend si vous êtes français ou belge. L'équipe de l'AC Milan qui revient au score. Kaloulou, magnifique ballon pour Calabria. Ouh, attention. Oh, le tacle. Le carton jaune pour David Calabria. Ouais. L'arbitre que je vous rappelle est Leonardo San Milano. mètres du goal. La tête encore une fois au-dessus. Pas de chance pour Mourinho cette fois-ci. Le gardien Donnarumma qui prévient qu'il va envoyer très très loin ce ballon au 5-50. Magnifique ballon là pour Samu Castiero. La frappe, oh là là, l'arrêt encore une fois là de Stalakosh qui sauve son équipe. Il sauve son équipe de quoi? Eh bien, il sauve son équipe du nul. Parce que là, si le joueur de l'AC Milan marquait, c'était le match nul. Mais l'AC Milan qui peut même encore chercher plus qu'un match nul, qui peut chercher une victoire. Car tout est possible. Bien évidemment. Maldini. Krunic. Voilà le but, et le but qu'on redoutait, qu'on attendait, voilà, c'est celui de Rafael Leao. 3-3. Oh, quel comeback encore une fois. C'est incroyable de voir ce genre de comeback en Serie A. De voir des équipes revenir de nulle part. Ouais, parce qu'ils reviennent de 1 à 3. Hein. 1 à 3, ils étaient à 2 buts d'écart. Maintenant, ils sont à 0 but. Car c'est match nul pour l'instant. C'est 3 à 3. Rafael Leao à 81e. Et comme je vous ai dit, c'est pas fini. Car la C Milan peut encore chercher un but. Et c'est Hakan Çalhanoğlu qui sort. Qui a fait une très très bonne première période. Une superbe seconde période. En tout cas, un joueur exceptionnel, un joueur phare de cette équipe de l'AC Milan depuis quelques semaines lui aussi. Et c'est Aug qui remplace ce joueur qu'on avait vu en début de saison, qu'on a pu énormément vu et qu'on revoit désormais maintenant sur la scène européenne, enfin la scène italienne surtout. Voilà, ballon perdu une fois de plus. La touche. Ouh, attention. Ça vient sur Leiva. Immobile. Oh, quelle défense, encore une fois, de l'AC Milan.
Ouais, c'est pas fini, le ballon pour Immobilier. La tête, ouais, le but pour la Lazio Rome. Ça fait 3-4, 3 pour l'AC Milan, 4 pour la Lazio Rome. Et c'est qui? Et c'est encore lui, Luis Alberto, un joueur à vraiment faire attention. Et voilà, il a encore prouvé aujourd'hui qu'il était exceptionnel. Et le voilà, le buteur. Et Luis Alberto qui vient chercher ce but. Désolé, petit problème technique encore une fois, bah comme d'habitude de toute façon. Vous avez l'habitude des fameux problèmes techniques. Allez, on est reparti avec Krunic. Maldini, le ballon pour Radu. Leiva. Immobile. Immobile et la frappe récupérée par Alessandro Romagnoli. Leao, Raphaël Leao. Qui est en arrière sur Krunic. Kjaer, Calabria. Avec Castillejo. Raphaël Leao, Maldini. Hogue qui était proche de la surface avec Stalakosh. La touche qui va être jouée par la AC Milan avec Kjaer. Ça continue. Oh, les Raphaël Leao. La frappe, dommage. C'était pas loin du tout. Leiva. Fares. Muriqui. Immobile. Attention, il reste quelques instants maintenant de jeu. On en est à 80. Bah, 90e. Voilà, on a la 90e. Il reste 6 minutes de temps additionnel annoncé par monsieur l'arbitre. Voilà, le nombre de temps additionnel au total, c'est exceptionnel. 6 minutes, ça reste dans les annales. Le tacle de la Lazio Rome. Voilà, la Lazio Rome qui est totalement retombée. Et, tandis que la AC Milan essaye de récupérer ce petit dernier but que la Lazio leur a infligé. Romagnoli avec Leao Castillejo. Oh, attention, le ballon, peut-être la touche. Ah non, la touche récupérée finalement par l'AC Milan avec Kjaer, Maldini. Ouais, le ballon pour Leiva. Muriqui. Oh, exceptionnel Maldini, c'est pas fini la frappe de Maldini, dommage. Luis Felipe. Hogue. Hogue avec Castillejo. Castillejo, la tête, la reprise de Raphaël Leao hors jeu. Ah, dommage. Cette reprise qui aurait pu faire beaucoup de mal. Ah là là, du Rome. C'était le but du 4-4. Dommage qu'il soit hors jeu, hein, Raphaël Leao. C'était la coche. Et du coup, faire le renvoi au 5-50. C'était la coche. Ouf, la tête in extremis là. Lazzari. Ouh, c'était pas loin du tout. Kjaer. Exceptionnel, Krunic. Hogue avec Raphaël Leao, encore une fois.
qui aurait été exceptionnel aujourd'hui, Rafael Leao. Deux buts de sa part. Encore Rafael Leao. La frappe de Rafael Leao, encore une fois. Ce ballon qui sort. Corner pour l'équipe de l'AC Milan. C'était tout juste. Et attention, le match n'est toujours pas fini. Un seul petit but pourrait faire mal. Haug qui va tirer ce corner. Ce ballon joué court avec Castillero. La tête récupéré, c'est fini. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Et voilà l'AC Milan qui termine très très mal cette année 2020. Voilà, très très mauvaise année pour l'AC Milan. Même si ce début de saison pour l'année 2021 semble correct, il y a quand même quelques imperfections côté AC Milan. Luis Alberto, 3 tentatives, 2 buts. Exceptionnel Luis Alberto aujourd'hui. Lui aussi l'un des tirailleurs de cette équipe de la Lazio Rome. Et donc voilà, les joueurs se serrent la main une dernière fois cette année. Et nous vous retrouverons la semaine, enfin le week-end prochain pour les matchs de Serie A. Et non pas la semaine. Tandis que nous, eh bien, je vous souhaite une très très joyeuse année, un très très beau début d'année 2021, même si cette année 2020 aura été une année très très catastrophique. Donc, je vous dis aussi un très joyeux Noël, voilà. Et on se retrouvera bien évidemment en 2021, comptez sur moi, pour la rencontre. N'oubliez pas le jour de cette rencontre, le 3 janvier 2021, ça sera le début des rencontres en Serie A, voilà. Et moi je vous dis à l'année prochaine, salut à tous, et encore merci pour cette année qui n'aura pas été si exceptionnelle que ça. Salut à tous.